Clément Serguier, Al-Azhar Bouattazar. À vous. On ne savait pas s'il me restera prône des thèmes par là. Non, d'accord. Mais je ne sais pas qu'on faille pareil, parce qu'il ne finirait jamais. Quelques mots pour rejoindre un petit peu mes confrères. Je vais essayer de retomber aussi sur ce que vous avez dit à propos de Paul Veyne. Je ne sais pas si c'est une interview ou une écrit où il disait s'il reste quoi un humain. Son autobiographie. Son autobiographie reste un humain à lire Mistral. Alors, ce monsieur est un spécialiste de René Char. Il a publié, il est lu attentivement, il fréquentait le poète très longtemps. Et il y a beaucoup de choses dans René Char qu'il n'a pas relevées, qui sont tout simplement un transfert, on va dire, de la langue et de la culture provençale, occitane, si vous voulez, dans la pensée, dans l'appréhension du monde. Ça, c'est des lectures qui échappent à beaucoup de monde. Et il y a même quelqu'un qui fait des conférences actuellement sur René Char en Provence et qui dit, il va peut-être un peu loin, il dit René Char, il pensait en provençal, il a écrit en français. Bref, le surréalisme mène à tout. Hein. Quand j'ai été invité à cette réunion, gentiment par la direction du livre à Montpellier, j'ai insisté en disant, je ne veux pas être l'après-midi, je veux être à la même séance que les littératures traduites. Sous-entendu, la notion d'originalisme me déplaît au possible et en plus ne répond à aucun critère. On est là sur une langue, quand vous dites langue traduite, nous on devrait dire on est toujours sur une langue interdite. Interdite de citer depuis des millénaires, enfin des millénaires, au moins depuis 300 ans. En termes clairs, vous n'avez aucune formation sur cette langue dans les écoles. Vous n'avez aucun sens de la littérature nulle part. Et pour avoir pratiqué professionnellement pendant 30 ans le métier de diffuseur en librairie, et dont ma spécialité était la langue, la littérature doc, donc je fréquentais les libraires et par là même le réseau de bibliothèques par intermédiaire, apportant, si je puis dire, un peu de compétences sur la connaissance des auteurs et sur les ventes de livres qui pouvaient être prescrits dans ce domaine-là, je veux dire, nous sommes encore dans un univers où cette langue est vraiment interdite. Alors on s'occupe beaucoup de climatologie, de beaucoup de choses, mais dès qu'on parle d'occitan, de languedoc ou de provençal, on a l'impression de ramener sur le devant de la scène une sorte de folklore, une sorte de chose désuète qui n'a pas d'enjeu, qui n'a pas d'enjeu économique, ça c'est clair, au moins depuis 40 ou 50 ans. J'ai souvenir, pour être né dans un village, gamin, d'entendre les paysans sur le marché parler en provençal pour vendre leurs produits. Évidemment, le marché a changé. Ce n'est plus sur la place du village que se fait le marché. Mais c'est les grosses exploitations qui vendent sur d'autres réseaux et par d'autres... Mais la langue était là. Si je publie aujourd'hui en languedoc, en provençal, c'est pour des raisons littéraires et uniquement littéraires. D'où la notion d'originalisme qui est plus que déplaisante. Ce qu'il faudrait accepter dans cet état français, c'est qu'il y ait une langue, des langues qui soient différentes. À tel point que lorsque nous publions en provençal, nous donnons la traduction française, obligatoirement, pour des raisons d'accès. Alors, on publie lentement, méthodiquement, la réédition des œuvres complètes de Mistral. Je dis, on publie de nouvelles éditions au sens où on a ressaisi le texte, on a fait un travail d'éditeur. On accompagne ce texte avec une présentation de quelqu'un qui a fait un travail conséquent sur l'œuvre, parfois une thèse. On essaie d'accompagner avec une iconographie qui peut resituer le poème dans son contexte. C'est comme ça qu'on a réédité le poème du Rhône et qu'on va rééditer en fin d'année Calendar de Mistral, puisque c'est un anniversaire cette année. Alors vous allez me dire, vous inventez rien en publiant Mistral. Mais, je suis désolé, si on veut qu'une culture soit transmise, si on veut qu'on accède à des livres, se pose le problème de la distribution du livre. Là, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est quand même la clé de voûte. Alors qu'un éditeur, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de donner des graines, hein, de germer. De germer, mais encore, je dirais, quand j'entends des vocabulaires aujourd'hui dans les bibliothèques où on désherbe, ça a tendance à me glacer un peu. Vous savez de quoi on parle. Et là, il y a la problématique. Est-ce qu'on doit garder les livres parce que vous avez trois lecteurs? Alors, dans ce cas-là, désolé. Mais moi qui ai vécu dans un village où j'ai appris le provençal, gamin, chez mes grands-parents, et où des mots comme l'outchin ou ka, la sébis ou l'union ont été les premiers mots, et là je rejoins ce que disait notre ami des lettres doc, il y a une forte nuance, plus qu'une nuance, une scission entre le français et le provençal, c'est que lorsque nous parlons, les mots sont donnés, ils sont dans le mot.
la chose est dans le mot. On ne va pas faire du Barthes, mais en français, on a une sorte de double tête entre ce qui est dit, ce qui est signifié, etc. Et on a fabulé là-dessus, d'ailleurs. En provençal, pas du tout. Les choses sont dites très clairement et avec une grande précision. À tel point que cette langue, on pourrait dire, elle est présente, elle n'a pas évolué, mais elle n'a pas évolué. Dans ceux qui sont locuteurs de cette langue, ils se comprennent de la même façon que lorsque vous lisez un texte du 19e et même du 18e, il n'y a pas un grand écart. Ça peut paraître curieux, mais c'est l'histoire de la langue. C'est-à-dire qu'on l'a pratiqué, je dirais, on l'a pratiqué en dehors même des conventions. C'est-à-dire qu'elle n'a pas droit à l'école, elle n'a pas droit de cité, elle n'a pas droit dans les échanges commerciaux. Et néanmoins, elle est encore là. Elle subsiste. Avec grande difficulté, ce que nous remarquons tous. Donc le travail est immense, et pourtant il y a une littérature, une vraie littérature, qui ne s'arrête pas à Mistral. On a réédité l'année dernière un roman d'Henriette Gibbon, qui s'appelle Farfantel, un roman qui s'appelle Ratis, qui a été publié en 1976. C'est une écriture qui a été faite dans les années 49-52, et elle a écrit donc un récit, un roman en provençal, où elle reprend cette légende ou cette croyance de l'arrivée aux Saintes-Maries, des saintes qui ont été mises sur un bateau, qui sont arrivées, voilà la légende. Et elle a écrit un récit, un roman, en prenant les personnages à bras le corps, et comme elle le dit à un moment donné, elle les a fait siens, c'est-à-dire qu'elle a vécu, tout à coup, on a une, un peu comme l'annonce faite à Marie de Claudel, quoi, je veux dire, à un moment donné, un écrivain doit prendre en compte des mythes, une relation avec l'existence, et c'est là où notre travail intervient d'éditeur, de faire circuler ces ouvrages. Car au fond, ce qui nous intéresse tous ici, c'est la littérature, et pas autre chose. Et ça, on oublie qu'il y a une littérature de Languedoc. On a publié aussi un recueil, alors là, c'est un travail un peu plus précis d'éditeur. On a édité, il y a 2 ans et demi, les œuvres complètes de Nicolas Sabol, qui est un auteur du 17e, qui écrivait des Noëls provençaux. Donc on a fait un travail avec Henri Moukadel qui avait fait une thèse sur le sujet et on a publié les Noëls attribués à Sabol, parce que parfois on lui attribue plein de choses qui ne sont pas de lui, donc avec authentification de ces Noëls, dans la graphie d'origine, telle qu'elle a été écrite et publiée au 17e, avec une traduction française qui n'avait pas été faite, et beaucoup de notes qui permettent de comprendre ces Noëls, car ces Noëls, on les entend comme ça, mais en fait c'était des Noëls qu'il écrivait chaque année sous le coup des événements qui se passaient. C'est-à-dire, c'est Noël aujourd'hui, ben tiens, il y a Macron qui est arrivé, bon, peut-être on fera un Noël sur Macron. Je plaisante, mais pour dire qu'il y avait une véracité des mouvements politiques de la situation à cette époque-là. D'où les notes qui sont nécessaires pour comprendre un petit peu l'environnement. On a fait ce travail-là, on a fait aussi un travail sur la biographie de Sabol qui n'avait pas été fait, et là, moi j'estime le travail d'éditeur qui est le même que tous les éditeurs sur la planète. La seule nuance qui est de taille, c'est que nous ne sommes pas dans un enjeu économique. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les difficultés du monde à équilibrer les budgets, qu'on aura un auditoire très limité, mais que si on fait ce travail avec sérieux, eh bien, je suis désolé, on a une maquette à faire, on a une couverture, on a un choix de papier, on a une typographie, et ça ne change pas. En tout cas, si on prend son travail au sérieux. Et donc, on a fait une partie biographique où là, on a mis à l'épreuve les conservateurs de la région, de Carpentras à Avignon, les archives départementales, qui ont travaillé sur leurs manuscrits, qui ont permis de faire un cahier de 16 pages, documenté, très documenté, pour faire venir, disons, cette biographie de Sabol. Voilà un petit peu le type de travail qu'on fait, très brièvement. Le temps est imparti et très court. Moi, ce que je voudrais dire quand même, pour avoir travaillé pendant 30 ans dans l'édition, parce que je dirais qu'à un moment donné, quand j'avais 17-18 ans, j'avais lu Mistral, ça m'intéressait. On ne lit pas Mistral, hein. Il a raison de dire ça, Paul Veyne. Personne ne lit Mistral. C'est-à-dire, on voit un personnage avec un chapeau, un santon qui promène, on lui affuble toutes les pensées politiques du monde. On n'a jamais lu Mistral. Parce que si vous lisez Mistral, vous êtes dans la littérature. Et la littérature, elle n'est pas limitée à la Provence. On part sur des mythes, on part sur plein de choses qui le font même de l'écriture. Aujourd'hui, en librairie, il n'y a jamais eu, comme il y a un rayon littérature française, un rayon littérature anglaise, suédoise, etc. Il n'y a pas de rayon littérature languedoc, quand même. C'est-à-dire qu'on mettait ça à du régionalisme. Alors évidemment, l'écrivain du coin qui a fait des poèmes, qui avait gagné le dernier prix des scouts de France, il allait poser son poème et ça allait être aligné.
Voilà. Et aujourd'hui, pire des choses, les libraires réunissent la littérature doc avec le tourisme, c'est-à-dire avec les guides verts. C'est pas mal pour découvrir le pays. Et quand même, là, Sisyphe, il pousse le rocher. Je ne sais pas s'il ne faut pas s'asseoir et attendre que le rocher descende aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai fait une petite enquête, j'ai trouvé une librairie, c'est à Toulouse, Ombre Blanche. Je rentre dans la librairie, et régionalisme, il n'y avait pas grand-chose. Et on m'a dit, mais on a plusieurs magasins. Et par chance, il y avait un magasin de littérature étrangère. Et là, ils avaient un rayon occitan. Ben, bravo, c'était la première fois que j'ai rencontré une librairie qui avait un rayon occitan. Alors, comment les libraires peuvent-ils acheter les livres? Ils n'ont pas d'intermédiaire. Personne ne va leur montrer le catalogue. Les éditeurs ne sont pas distribués parce que ce n'est pas un enjeu économique. Évidemment, le bibliothécaire, il achète avec ses moyens qui sont de plus en plus limités. Il doit désherber en plus, ce qui fait beaucoup. Comment voulez-vous qu'une langue, une culture, puisse accéder à un public? Et je réponds à votre question. Comment d'autres auteurs contemporains puissent être inhibés, avoir entendu la langue, l'avoir appris, avoir lu, pour produire aujourd'hui? Donc on est sur une faille là, d'écartèlement, extrêmement périlleux. Alors on ne va pas se lamenter, on ne va pas jouer au dernier Iroquois, parce que ça c'était un leitmotiv, on est les derniers. Hein. On est les derniers, mais ça dure depuis 100 ans, je veux dire. Et le message de Mistral, pour en revenir à l'humain, c'était pas un truc de sauvegarde, c'était... Il y avait une partie à la fin de sa vie qui a été, ben, on va sauver les meubles, on fait un musée. Alors un jour, on fera peut-être un musée de la langue. On ira écouter, en appuyant sur un bouton, le pépé de Cévennes qui raconte son histoire. Moi, je vais dire 3 mots en provençal, on dira en 2010, lui, encore 3 mots. Bon. Chacun de nous a une responsabilité qu'on peut ne pas prendre. Mais j'habite dans un village. Il y a eu une réunion sur la culture, il n'y a pas si longtemps, par quelqu'un qui était dissident, qui se présente aux élections, qui a écrit Kézako. Alors je dis, bon, ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça. C'est pas grave, tu lui en veux pas. Mais on en arrive aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont cette langue dans l'oreille, ou qui l'ont entendue, sont dans un environnement où on est sur une île déserte. On est de plus en plus étrangers à nous-mêmes. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, malheureusement, encore que si on faisait le tour, c'est pas brillant. Politiquement, lorsqu'on dit ça, on passe pour, effectivement, pour certains des maurassiens, des rétrogrades, des arriérés, etc. Mais il y a presque peu de programmes politiques, pour ne pas dire plus du tout, qui prennent en compte la culture au sens sérieux du terme. C'est-à-dire qu'ils demanderaient qu'un enseignement soit plus conséquent, qu'il y ait des lieux où on puisse étudier, des lieux de financement, que la librairie soit présente et que la bibliothèque puisse avoir des rayonnages où on puisse découvrir quand même une littérature, une culture. Je m'arrête là.